Thank you.
Cette webdiffusion vous est présentée par Sport Expert, Desjardins et Hydro-Québec. Alors, toujours en direct de l'Arena Samuel Gagnon à Alma pour les 52e finales des Jeux du Québec sur le RDS.ca en direct de cette chaîne numéro 1. On vous présente le deuxième match de demi-finale du tournoi de hockey féminin. La Rive-Sud affronte la région de Lanaudière. Toujours Julien Montlacelle en compagnie de Yves Archambault. Yves, est-ce que tu t'es remis de la victoire du Centre du Québec? Parce qu'on a encore un travail à faire cet après-midi. Tout à fait. Et je m'attends à voir un match aussi explosif ou aussi exceptionnel en termes de qualité de jeu, qualité individuelle et qualité d'équipe. Comme la tradition le veut bien, j'imagine que chaque équipe a certaines caractéristiques distinctes. Et quelles sont-elles? Ce qui est important à connaître, à savoir, c'est que les deux meilleurs marqueurs à date, après quatre matchs de jouer, font partie d'une de chacune des équipes. Donc, Marie-Benoît du côté de la Rive-Sud, et Anne-Frédérique Nau du côté de Lanaudière, deux excellentes joueuses donc, qui sont vraiment des marqueuses naturelles. 7 buts pour Marie-Benoît et 5 du côté d'Anne-Frédérique. Mais ceci étant dit, du côté de Lanaudière, on a une ligne vraiment explosive. Et du côté de Rive-Sud, si on peut être capable de les contenir, on est dans le match. Par contre, c'est une ligne qui peut faire mal à différents endroits dans le match, alors il faut vraiment les surveiller. Et du côté Rive-Sud, c'est une belle histoire parce qu'elles étaient à quelques minutes de ne pas participer au quart de finale. Avec un but à moins de 2 minutes à peu près du match, elles ont réussi à aller en prolongation. Et Marie-Benoît a compté ce but-là et a compté les 3 autres buts dans le match suivant. Donc, elle a compté les 4 derniers buts de son équipe. Elle est sur une séquence. Elle est sur une séquence. Donc, elle surveillait du côté des téléspectateurs. Marie-Hakim Benoît va porter, porte, devrais-je dire, là, le numéro 10. Pour la région de la Rive-Sud. Et également, on parlait de caractéristiques, il y a également toujours des plans de match à suivre. Les entraîneurs ont toujours, on le mentionnait précédemment, dans un tournoi qui est assez court comme celui des Jeux du Québec, on se concentre surtout sur son propre plan de match plutôt que contrer l'adversaire. Alors, de quelle façon les deux équipes ont été préparées par leur entraîneur aujourd'hui? Du côté de la Rive-Sud, avec Sina Bobo comme entraîneur-chef, et là aussi, on a une équipe d'entraîneurs, un staff féminin. Et ce qu'on va tenter de faire, c'est une pression un peu plus afin de contenir l'adversaire en étant à 1-2-2, donc un peu moins agressive. Et du côté, par contre, on a 1-2-2, mais la première sera avec intensité. Et on va tenter de gagner nos battants 1-1. Et du côté de Lanaudière, on veut profiter de notre vitesse. Ils sont conscients, l'équipe d'entraîneurs, qu'ils ont une équipe avec de la vitesse. Et eux aussi ont un échec avant rapide. Alors, ça revient souvent dans un match. Dans notre plan de match, de tenter de mettre de la pression sur l'adversaire. Oui, effectivement. Alors, qui aura la chance de retrouver le Centre du Québec en grande finale demain ici, dans cette aréna? C'est ce qu'on saura dans quelques instants. Pendant qu'on attend l'arrivée des quintettes des deux équipes, on va vous présenter les arbitres du match de cet après-midi. L'arbitre en chef, c'est Marie-Ève Couture. Et ses juges de ligne seront Christine Lévesque et Frédéric Turcotte. On l'avait parlé en 2015 également, le processus de sélection. Alors, le meilleur trio va se retrouver en finale. Le 4e au bronze et les 2 et 3, c'est eux qui s'occupent des demi-finales. Alors, félicitations également. C'est un tournoi d'importance pour ces arbitres-là. Ça permet, c'est pas juste pour les joueurs ou les joueuses, c'est pour les arbitres. Ça nous permet justement, on veut progresser. On veut pas juste faire du Mantam 2A, on veut faire du midget, on veut faire du senior, puis on veut aller au niveau national à un certain moment également. Alors, je veux souligner le travail de l'équipe de Marc Maisonneuve qui est ici présent ce matin, mais qui est présent tout au long de la compétition avec son équipe de superviseurs. Et chacun des matchs est supervisé depuis le début des Jeux du Québec. Alors, là-bas, de devant, Benoît. Alors, j'ai dit précédemment que Marie-Benoît était la numéro 10, c'est plutôt la numéro 2. Les deux meilleurs joueurs sont au centre de la patinoire. Bon match, mesdames, messieurs. Deuxième demi-finale du tournoi de hockey féminin. Contre-attaque aussitôt de la numéro 6, qui est Gauthier. Gauthier va repousser derrière la gardienne Gascon et la région de Lanaudière va tenter de se réorganiser. C'était avec Tétro. Tétro, une passe interceptée. Attention, déjà une chance pour la Rive-Sud, mais malheureusement, la brosse n'a su tirer. Contre-attaque possible. On a tenté de rejoindre ici, c'était Quirion.
Un dégagement et des changements sont déjà là, commandés par la région de la Rive-Sud. Un tir qui provenait du bâton de Labrosse à nouveau, arrêt de Gascon. Et on va tenter de se réorganiser avec la défenseur Gué. Gué du côté droit en direction de Labad. Labad aussitôt contré par Caron. Caron du côté droit en direction de Lemay. Et on va retourner pour Caron. Caron surveillé ardument par Labad, mais réussit à remettre devant. 3 contre 3 possible. Dégagement jusqu'au centre. On a tenté de remettre à Pelletier qui sortait du banc. Voici maintenant la numéro 6 pour Pelletier. Pelletier va dégager derrière Caron. Caron est gêné. Pelletier n'a pu saisir le disque dans le bureau. On aurait eu une belle chance ici du côté de la région de la Naudière. Je vous rappelle, 2 périodes de 15 minutes et une troisième de 20 minutes. Dans ce match-ci, la resurfaceuse fera son apparition entre la deuxième et la troisième. Derrière le filet, ce sera récupéré par Elodie Roy, qui a failli perdre cette rondelle. Là, elle la perd. On s'installe du côté de la Naudière. Dans l'enclave, Pelletier, malheureusement, peut tirer. Fait une chute. On tente de remettre à la pointe. Ça touche 2 patins. Un tir bloqué devant. Bon travail. Et on va tenter de remettre maintenant Roland. Roland fait dos au jeu. Attend les commandes de son entraîneur. Et on s'en va au banc. Chiquin tête échangé. Dégagement rapide tenté par la région de la Naudière. Et le disque ne peut être saisi, malheureusement, par Lemelin. Du moins, là, il va le faire à sa deuxième tentative, mais il l'a jonglé précédemment. On tente un dégagement du revers à l'autre bout, c'est fait. La rondelle va rouler lentement, mais sûrement jusqu'à Gascon, qui aperçoit la menace. Alors, au lieu d'être un dégagement refusé contre la Rive-Sud, on va même profiter d'une mise en jeu à la gauche de Gascon. Un bon début de match partagé. Rien de spectaculaire, mais tout s'est bien fait. Tout est bien fait. On a l'impression que les deux équipes s'étudient présentement. Contrairement au centre du. Bien, contrairement au match précédent où on a décidé tout de suite d'appliquer un plan de match. Un tir de la pointe bloqué par Labad. La rondelle va se retrouver maintenant vers Caron. Caron, le long de la clôture, a tenté de rejoindre sa coéquipière qui arbore le numéro 3. Caron va rejeter derrière et c'est maintenant repris par No. No rate sa passe, interception de Parent. Parent. En direction de côté, malheureusement, c'est raté. Et on devra se réorganiser du côté de la Rive-Sud, à partir de son territoire. Derrière le filet, c'est Lemelin. Lemelin devant, c'est intercepté. Un tir bloqué devant. Un autre dégagement de la région de la Rive-Sud qui est complété. Course pour cette rondelle entre Gué et Parent. Rondelle reprise maintenant par Quirion. Quirion, du côté droit, c'est en direction de Gué. Gué pour Quirion. Passe interceptée par la numéro 2. Elle est seule. Son tir. Arrêt de Gascon. Et tu l'as dit, Benoît est à surveiller. Elle vient de démontrer l'étendue de son talent. Ce que j'ai aimé, c'est que dès la récupération de la rondelle, elle a été en mesure de faire sa feinte. C'est une fille qui m'apparaît rapide en exécution. Par contre, le tir, elle sait de pouvoir refaire son jeu. Certains qui avaient... du côté de la Naudière. On dit dans le jargon, directement dans le tutu. Passe intercepté par Benoît. Benoît devant, c'était Parent maintenant, à la pointe. Un tir bloqué, ça provenait de Marie-Hakim Benoît. Autre tir qui rate de justesse. On s'installe à nouveau ici avec Gaudreau. Gaudreau avec Benoît. Gaudreau sort gagnant de cette bataille dans l'enclave. Perd cette rondelle sous pression, un peu en panique. La Naudière dégage et c'est refusé. On voit que le trio ici de Benoît avec Labrosse et Gaudreau, ça sort un trio à surveiller. Ensuite à faire à cette première période. Devant le filet, la rondelle est libre. On tente de reprendre du côté de Quirion. C'est fait. Quirion, remise vers Labad. C'est raté malheureusement. Interception de Roy. Roy, un tir. Gascon fait l'arrêt, donne le retour. Et c'est balayé du côté là, de l'arrivée. Dans le coin, c'est Constantino. Constantino fait une chute par cette rondelle. Contre-attaque possible avec No. No, en direction de Labad. Labad, malheureusement, n'a su pas dévier ce disque tout près de la ligne centrale, ce qui se traduit donc en dégagement refusé. Plus d'arrêt de jeu dans ce match. Mais là, on commence à voir un peu que la Rive-Sud là, est très rapide. On met beaucoup de pression en échec avant. Par contre, à surveiller du côté de Lanaudière, le duo No-Labad. L'exécution ici n'a pas fonctionné au niveau des passes, mais ça répète un surnom du côté de la Naudière. No vers Quirion, après que la Naudière ait remporté cette mise en jeu. Quirion revient sur ses pas, tente de gagner du temps pour pouvoir effectuer une sortie de zone. Heureusement, Parent perd son bâton, donc le disque quitte le territoire. Dégagement de Quirion. La première au disque
assurera maintenant la numéro 12, No. Bataille le long de la rampe avec Labad et Côté. Le long de la clôture maintenant, Quirion est là. Père, passe tentée en direction de Benoît. Benoît s'amène. Un tir, arrêt de Gascon. Capte au vol ensuite le retour qu'elle aurait pu donner. La menace s'éteint, 10-33 à faire en première. Alors, on a deux Benoît, je ne sais pas si ce sont des sœurs ou l'autre de la parenté. C'est une très belle contre-attaque ici, c'est bien apprécié. Même contre la ligne plus offensive de la Nordillard, si on peut mettre de la pression offensive, ça va faire en sorte que ces pays-là qui reviennent souvent sur la glace vont être fatigués en repli défensif. Donc, on tente de dégager à contre-courant, c'est raté. Gaudreau intercepte. Gaudreau retourne à Benoît derrière. Benoît, en tentant là, de tirer du revers, ça a été bloqué devant. On a tenté de créer un surnombre du côté de Sylvestre. Lemelin, devant, à la ligne bleue. Malheureusement, le disque passe entre les deux défenseurs. Et c'est repris par Gaudreau. Du côté gauche, on a tenté de rejoindre maintenant la brosse. L'arrivée, dégagement à l'autre bout, qui sera toléré. La rondelle ne dépassera jamais la ligne des buts. Constantino. Du revers, c'est intercepté. Attention, Perron aurait pu s'amener de la ligne bleue et contre-attaque rapide de Roland. Roland s'amène. Elle s'amène avec la brosse. Roland sur le flanc droit. Attention au jeu, un tir qui passe par-dessus Gascon. À la pointe, c'est repris maintenant par Caron. Caron vers la brosse. La brosse a tenté de rejoindre Roy. Et la région de la Naudière complète un dégagement. Plusieurs dégagements refusés en début de match du côté de la Naudière. Ce qui nous souligne qu'en ce moment, Rive-Sud commence à installer son échec avant et prend un peu avantage dans le rythme du jeu. Oui. Mise en jeu à la droite de Gascon. Élodie Roy était là du côté de la Rive-Sud. Quirion s'amène. Quirion avec No. Rapide. Quirion complète le rejet derrière la cage de Néron. Labad à la pointe maintenant. Un tir dévié, bloqué ensuite. Et possibilité de contre-attaque et d'échapper avec Annabelle Labrec. Elle est seule. Labrec tire, arrête Gascon qui vient sauver son club pour une deuxième fois en première période. Labad s'amène en contre-attaque. La balle en ouverture, elle sera neutralisée, mais il va tenter de tirer. Et de justesse, bon travail de Marie Gauthier qui a étiré le bâton. Autre tir qui provient de la pointe gauche. Un tir faible qui rate la cible. Et on commande des changements, on demande des changements du côté d'entraîneur-chef de la Naudière, Jonathan Larrivée. Le disque est saisi par Caron, mais aussitôt là, gêné par Vachon. Vachon. Bataille à 4 pour cette rondelle. Derrière, c'est repris par Sylvestre. Sylvestre avec Vachon. La rondelle se retrouve de l'autre côté. À la pointe maintenant, c'est l'arrivée. L'arrivée pour Sylvestre. C'est perdu. C'était repris par Caron qui a tenté de dégagement. C'est aussitôt annulé par l'arrivée. Sylvestre. Sylvestre perd cette rondelle au profit d'Élodie Roy qui remet du côté droit à Juliette Roland qui, elle, complète le dégagement à l'autre bout. Gascon effectue une sortie et va laisser pour l'arrivée. L'arrivée doit se méfier de l'arrivée rapide de Côté. Côté intercepte, ne pourra tirer cependant. Il n'y avait personne pour venir l'appuyer. Labad, elle est également joueuse à surveiller. Yves, tu nous l'as mentionné précédemment. Ça mène en territoire adverse. On l'a bien contré. C'est aussitôt repris par Côté. Côté au centre, en direction de Rosalie Parent. Parent s'amène sur le flanc droit. Tente de déborder tout le monde. Tente de remettre également devant. Ça a été intercepté par Quirion. Il y aura pénalité à la région de la Rive-Sud. Labad en contre-attaque. On entend le sifflet de l'arbitre. Premier avantage numérique de ce match. On a donné un coup de bâton, nous signale Marie-Ève Couture. Première situation spéciale de l'après-midi. Alors, on va voir de quel bois se chauffe chacune des deux équipes. J'aime beaucoup la contre-attaque du côté. Défenseur récupère, voit facilement sa joueuse qui est disponible. On donne la rondelle et on part vite. Ça crée un surnombre d'ailleurs. On voit l'échappée sur l'écran. C'était l'échappée d'Annabelle Labrec. Alors, avantage numérique pour la région de la Naudière. C'est Marie-Hakim Benoît qui a été chassée du côté de la Rive-Sud. No va reprendre. No du côté gauche en direction de Quirion.
Quirion avec l'arrivée de Benoît. Tente de gagner du temps en revenant sur ses pas et remet même jusqu'à l'arrivée. L'arrivée à No. On s'amène en territoire adverse. No va déborder la défenseur qui se poste devant elle. No contourne le filet. Cherche une option. No. Derrière. À Quirion, elle avait une ouverture, rate son tir malheureusement. Benoît va saisir le disque laissé libre, tente un dégagement. L'arrivée, le Nalune. L'arrivée, remise ensuite à Quirion. Quirion passe vers No, qui retourne pour Quirion. Et on s'échange à nouveau avec l'arrivée. L'arrivée pour Quirion. Quirion cherche une ouverture. C'est No de l'autre côté avec Labad. C'est malheureusement raté, c'était bien pensé. Ça, c'est un jeu travaillé. No, Quirion. Tire, arrêt de Néron, pas de retour. Quelle belle chance ratée ici de Labad en backdoor. On utilise l'expression anglophone ici, qui veut dire par l'arrière, un peu caché, un peu sournoisement, mais de toute façon, nous, ce que j'ai aimé, c'est deux belles passes à Leric. Elle a été capable de voir ces deux joueuses disponibles et à passer à Quirion et à Labad coup après coup. C'est une très belle démonstration. Du moins, c'est pour le moment l'avantage numérique. Il reste 48 secondes à celle-ci. C'était une très belle démonstration là, de contrôle de rondelle. Labad. Avez-vous vu, hein? Beaucoup de vitesse. Pénètre la ligne centrale. S'amène en territoire adverse. Labad, malheureusement, là, individuellement, a voulu transporter le disque en territoire adverse et s'est fait gêner. L'arrivée, en levant les yeux, rate sa passe. Lors de sa deuxième tentative, remet à Gay. Une feinte, belle feinte. Gay laisse pour l'arrivée. Un tir bloqué devant le filet. No s'amène maintenant. No. Avec 15 secondes à faire à l'avantage numérique. No. Remise vers Vachon. Ça a été intercepté ici par Roy qui complète le dégagement. Pelletier rapidement. C'était vers l'arrivée. Autre tir qui rate à la droite de Néron. Et Marie-Hakim Benoît sera de retour à l'instant même. Dégagement réussi jusqu'au centre. L'arrivée doit se méfier de Benoît qui est là. L'arrivée avec beaucoup de vitesse. Hors jeu, malheureusement. Pelletier n'avait pas eu le temps de sortir le territoire. On va voir la chance par l'arrière de... Alors, c'est un jeu que j'ai vu, moi, au cours des Jeux du Québec. C'est une exécution qu'on tentait à quelques occasions. Et là, encore une fois, coup sur coup, un passe et vent qui est très bien réussi. Un bon tir, bel arrêt. La break remise à Roland. Roland laisse derrière. Vachon fait une chute devant l'officiel. Malheureusement, c'est certain. Là, Annabelle Labrec avait simplement son bâton au mauvais endroit, au mauvais moment. D'ailleurs, un bâton en moins dans le sac en revenant des Jeux du Québec. On ne peut pas se permettre vraiment ici de, de jouer comme ça ici. Là. À l'attaque comme la Naudière. Oui, parce qu'on a vu une belle démonstration, comme je le mentionnais précédemment. Le travail sur le jeu de puissance. 0-1 pour la région de la Naudière. On doit profiter ici de nos chances, Yves, là, pour pouvoir briser un peu le rythme qu'on avait tenté d'installer du côté de la Rive-Sud. Oui, certainement. Là, il y a un peu de confusion afin de savoir qui va aller finalement sur le jeu. Bon travail si l'arbitre en chef de bien préciser ce qu'elle entendait et qu'est-ce qui devait être fait pour que le jeu reprenne. Donc, mise en jeu remportée par Lanaudière. Tétro a voulu dégager en territoire adverse pour tenter d'installer la supériorité numérique. Ça a avorté. Tétro a une deuxième chance, va relancer l'attaque et intervention aussitôt de Béatrice Caron. On s'amène en contre-attaque du côté de la numéro 8. Il y aura pénalité contre la Naudière, on a accroché. Belle maîtrise de Gaudreau. Gaudreau cherche une option et il laisse derrière maintenant. C'était pour Gao. Gao, remise maintenant à Caron. Caron est lancé. Arrêt réussi par Gascon. On entend le sifflet de l'arbitre. Aussitôt, on appelle le geste de retenue. L'avantage donc à la Naudière s'annule et on jouera à 4 contre 4 pour 83 secondes. Oh, ça a été un beau travail. On va voir la reprise. Le beau travail de protection de rondelle de Gaudreau. Et ça a obligé, en plaçant son épaule, sa main sur l'épaule, elle s'est mise en position d'infraction. Mise en jeu remportée par la Rive-Sud. Gao maintenant. Tire. Bel arrêt de Gascon, hein, parce qu'il y avait, là, l'arbitre avait perdu la rondelle de vue, a sifflé l'arrêt de jeu. Mais initialement, on a fait dévier ce tir. Oui, une belle exécution. Bon début. C'est un 4 contre 4. Il ne faut pas oublier là, pour les...
à tout le moins 1 minute et 19. Donc, plus d'espace sur la glace. Non, à la mise en jeu, c'était devant Benoît. Benoît rentre en contact avec Pelletier, fait une chute, mais Benoît, même agenouillé, réussit à protéger ce disque quelques secondes supplémentaires. Non, c'est bien passé avec Quirion. Quirion a beaucoup de vitesse également. C'est ce que j'ai remarqué, Yves, depuis le début de ce match. La numéro 88 de la Lanaudière. Et on s'amène du côté de Gaudreau. Gaudreau va perdre cette rondelle. Le long de la clôture, maintenant, c'est Gauthier. Gauthier, derrière. Cherche une ouverture. Remise vers Gao. Ça a touché le patin de Nau. Et ça revient sur le bâton de Quirion qui retourne vers Nau au centre. C'est un petit peu trop long. Intervention de Gao. Nau récupère au centre. Revient dans son territoire. Encore 40 secondes à 4 contre 4. Nau s'amène rapidement. Une feinte. Mais ici, c'était Rosalie Parent. Elle n'a jamais mordu. Nau tente de remettre à la ligne bleue en direction de Gay. Gay avec le patin annule le dégagement. Passe pour Nau. Nau seul de son camp parce qu'on apporte des changements du côté de la Naudière. Gay maintenant. Et du côté droit à l'arrivée. L'arrivée, fin de tir. Là, il va une frappe. Ça touche deux bâtons et ça se retrouve hors de la surface de jeu. Ce qui va être intéressant à regarder d'ici la fin du match, c'est l'énergie que pourra déployer le trio de Nau parce qu'il est souvent sur la glace. Alors, on va voir si on va être, capable du côté de la Naudière de garder le même rythme. 3 minutes et 20 secondes à faire à la première période. 0 à 0 toujours. Passe en tentée en direction de Marie-Hakim Benoît. Avec de la vitesse, s'amène contre Sylvestre. Benoît freine, élimine Sylvestre, va rejeter derrière. Il n'y avait personne là. Sylvestre a une interception facile et on s'amène en contre-attaque. Pelletier, remise vers Labad. Labad s'amène sur le flanc droit, freine. Un tir bloqué devant. Bon travail pour bloquer ce tir. Et voici la contre-attaque, en trois joueurs parce que la pénalité vient de se terminer du côté de la Rive-Sud. C'était avec Lemelin. Lemelin à la ligne bleue vers Parent. Parent remonte au cercle. Remet derrière. Dans le bureau, on a tenté de rejoindre Parent à nouveau. La rondelle est balayée sur sa droite. Labad, il va de toute une frappe pour compléter le dégagement. Il reste 8 secondes à l'avantage numérique de la Rive-Sud. C'est repris à nouveau par Lemelin. Lemelin, longue passe. On avait isolé ici Roland. Juliette Roland attend l'arrivée de coéquipière. Il y aura pénalité. À nouveau contre la Naudière. J'ai l'impression que c'est l'arrivée qui sera chassée et elle le sait. Ça n'a pas été trop long que c'est dirigé vers le banc de pénalité. En fait, tout ça a été provoqué par le jeu de Roland qui a bien protégé sa rondelle, changé de direction rapidement. Contre-pied, dû faire une mise en échec. En fait, juste comme on a pu voir, elle a utilisé son épaule carrément afin de d'obstruer ou de bloquer le chemin de l'adversaire. Et dans ce cas-ci, comme tu l'expliquais dans le match précédent, lorsque c'est pour une bataille pour la rondelle, il n'y aura pas de pénalité. Mais lorsque la joueuse adverse a le contrôle de la rondelle, là, ça devient illégal. Et plus que bataille, c'est une course à la rondelle. Pour être spécifique. Précis, oui. On dispute la rondelle à trois joueurs derrière, notamment là, Magali Labrosse qui est là pour la Rive-Sud. 2 minutes 5 secondes à faire à la première période. À la pointe, c'est Gauthier. Gauthier tente de remettre vers Gaudreau. Quirion, elle, revient sur ses pas, gagne quelques secondes en remettant vers Tétro. Tétro, dégagement complet. On a même tenté une passe en direction de Nau. C'est repris maintenant par la numéro... C'était la numéro 13. Et là, on s'amène avec pleine vitesse. On a tenté de charger le filet de Gascon, c'est raté. À nouveau, autre tir dévié devant. On cherche à Rodel, qui est libre à la gauche de Gascon. Un tir ensuite. Gascon était prêt et dit non. Sur le tir de Benoît. Et la présence de Gaudreau devant le filet également. Beau travail devant les filets de part et d'autre. Gascon a été très solide au niveau de la Naudière ici. Il ne sera pas facile à déjouer durant ce match-là. Tout comme du côté de la Rive-Sud. Secondes à la première période. C'est toujours 0 à 0 ici. Alors, c'est pas Roland, mais plutôt notre numéro 8 ici qui s'est amené au but en filet Gaudreau à pleine vitesse. Il fait avec beaucoup de vitesse. Et attention à la balle qui s'amène rapidement. Tente un jeu pour elle-même. Malheureusement, sa remise est un peu trop longue. Repli défensif de Gauthier qui vient contrer Labad. Et la Rive-Sud peut tenter d'organiser son attaque, mais Sylvestre intervient bien à sa ligne bleue. Et on devra se réorganiser pour une deuxième fois. C'est repris maintenant par Côté. Côté du côté droit, c'est en direction de Parent. On s'amène avec également Caron vers Parent. Parent est rejoint par Pelletier.
Dernière minute de jeu à faire en première. Dégagement tenté, réussi à l'autre bout. Et là, c'est No qui va sortir des blocs, va s'amener rapidement. No tire! Arrêt de Néron. No. Derrière le filet, gagne plusieurs secondes. 20 secondes à l'avantage numérique, précisément là pour la Rive-Sud. À la pointe, autre tir, bloqué devant par Parent. Parent est contré par No. Excellent travail de No en désavantage numérique. Sylvestre repousse encore une fois la Rive-Sud plus loin. Et c'est Gao qui va reprendre. Gao avec 20 secondes à faire. Belle remise maintenant pour Roland. Juliette Roland s'amène avec Parent. Roland tire par-dessus la cage de Gascon. La rondelle est libre, le long de la rampe. Et attention, Como, c'est un beau jeu, elle s'amène, pas beaucoup d'angle. Et l'angle qui lui était offert était bien couvert par Néron qui résiste avec 4.4 secondes à faire à la première. Oh, bon repli défensif aussi, ça fait en sorte que le tir était en angle et Néron était bien positionné. Et le bon jeu ici, ça a été de ne pas d'accorder de rebond. Avec 4.4 secondes à faire, on a mis Labad à la pointe droite. Alors j'imagine qu'on va vouloir lui remettre la rondelle. À Labad, avec une seconde à faire, elle s'élance, elle prend l'air, on entend la sirène. Alors après 15 minutes de jeu dans cette deuxième demi-finale, c'est 0 à 0. De part et d'autre. Ici, on a vu ça. Donc, elle aurait pu donc poursuivre sa lancée de 4 buts consécutifs. Mais malheureusement, bon travail de notre gardienne de but, Gascon. Également l'échappée de Labrec. Elle l'a bien défié ici, Gascon, Labrec, sur cette échappée. Oui, puis dans le fond, en regardant ses chances de marquer là, on peut voir que de façon générale, la Rive-Sud a été meilleure en contre-attaque. Puis Lanaudière, en attaque à 5 aussi, mm-hmm. est assez très dangereuse pour rester à 5 contre 5. Et encore une fois, une passe va. Pouf! Alors, félicitations ici à notre équipe technique d'avoir donné ces ralentis-là qui ont été des belles séquences de jeu. Sans qui, on ne serait rien pendant ces Jeux du Québec. Gaudreau ici qui... que j'aime son coup de patin, j'aime sa puissance. Alors, on est prêt à reprendre pour le début de cette deuxième période. Vous le mentionnez, on va refaire la glace après la deuxième et la troisième. Une deuxième période de 15 minutes, c'est toujours l'impasse, 0 à 0. La balle devant Benoît, mise en jeu, remportée par Benoît en début de deuxième. C'est repris maintenant par Roland. Roland s'amène sur le flanc droit, les rejoint par Quirion. Roland, dans le coin, surveillé, tente de remettre devant sa... C'est raté, c'est intercepté par No. No, pleine vitesse, 3 contre 2. No, avec le disque, passe tentée vers Quirion. Belle couverture cependant ici de la défenseur Constantino. Un dégagement à l'autre bout. C'est repris par Gué. Gué vers Quirion. Quirion revient loin dans son territoire pour gagner plusieurs secondes. Va se servir de la rampe pour réussir une passe à No. No vers Zabad. Zabad, plutôt Labad, pardon. Remise vers No. No, fin de tir! Oh, Néron a bien suivi le jeu. Elle résiste. Alors, si de notre angle, on voyait très bien que c'était un tir qui se voulait voiler. Oui. Donc, excellent jeu ici de No qui a pensé utiliser le défenseur comme travail du gardien de but encore une fois. Alors, on voit ici, on est bien placé pour voir l'angle entre le bâton et le joueur. Et c'était pas si facile que ça pour le gardien de but. Mise en jeu qui va se faire à la droite de Néron. Pelletier chassé, Sylvestre s'amène. Mise en jeu remportée par Sylvestre. L'arrivée, tire, haut sur le poteau! Ça a surpris tout le monde, ça a touché le haut de la barre horizontale. En plus, Julien, tu l'as dit à la façon du Québec, de la région de Québec, sur le poteau. Oui. la barre transversale, bon tir. Et on était prêt d'ouvrir la marque ici dans ce match-là. Ils ont joué remporté dans la région de la Naudière. Voilà l'arrivée qui va reprendre et remettre du côté droit maintenant. L'arrivée pousse un peu plus loin. Intervention de Gauthier. Gauthier vers Gaudreau.
Pelletier là également, bataille là, pour la possession de cette rondelle. Bonne bataille physique du côté droit, du côté gauche, devrait-je dire, vers la brosse. La brosse à la pointe, un tir qui va se rendre tout doucement jusqu'à Gastion, qui avait quand même une présence devant lui de la part de Gaudreau. Un bel arrêt. Deux bons débuts de période des deux côtés, deux chances de marquer. Sans que ce soit des chances uniques, mais c'était quand même des bons tirs et on sent qu'on va se porter un peu plus à l'attaque là, pour tenter de prendre l'avantage sur ce match. Parent, la mise en jeu devant nous. Mise en jeu remportée par Parent. Un tir des poignets, de la pointe, encore une fois. Gascon résiste. Cette fois-ci, c'était de la part de Maxime Côté, ce tir. Oui, beau tir du poignet. J'ai dit Maxime Côté, vous m'excuserez, c'est le numéro 18, c'est Béatrice Caron. Mise en jeu à nouveau remportée par la région de la Rive-Sud. On s'échange le disque à la ligne bleue. Gauthier repousse dans le coin. C'est en direction de Benoît. Marie-Hakim, celle-là. Autre tir qui va être bloqué devant. Benoît va tenter de saisir, mais No, encore une fois, pleine vitesse, s'amène en contre-attaque. No traverse le centre et rentre en territoire de la Rive-Sud. No va se diriger derrière le filet, se remet devant. Interception de Côté qui remet maintenant à Benoît. Deux contre deux. Benoît tire de loin. Ça a été bloqué par... Attention, Côté lance! C'est l'arrêt de Gascon. Le retour est raté maintenant. Derrière le filet. Quirion réussit le rejet à l'autre bout. Le dégagement sera refusé. Belle chance ici. Ça a été un drôle de jeu et un drôle de rebond. Oh, je ne sais pas si c'était planifié, Julien. Mais on tire dans le... au niveau des épaulettes de l'adversaire. La rondelle se rend comme si c'était la passe prévue. Oui. Excellent. Excellente vision de jeu. À répéter. Et puis on est en angle ici. Bon travail de au niveau de Gascon. 12,55 à faire à la période médiane. On s'installe. À la pointe, c'est Gao. Gao perd cette rondelle. Et là, il y avait de l'obstruction. Bien évidemment, il y aura pénalité parce que si Gao ne prenait pas cette pénalité, Sylvestre s'en venait complètement seul. Est-ce que ça, Yves, c'est une bonne pénalité? Je ne sais pas si dans le hockey, il y a une bonne punition, surtout à 0-0. Mais elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est déplacée dans son chemin, voyant qu'elle était battue. Par contre, de l'autre côté, on avait notre appui défensif. C'était un contre un. Mais quand même, c'est un réflexe de venir se placer dans sa ligne, ce qui est devenu une obstruction à ce moment-là. La BAD, avec le disque après la mise en jeu, c'était dangereux et elle s'en sort bien ici. No reprend au cercle. No, en croisé avec Quirion. À Labad. À No, elle a de l'espace. No s'avance et va remettre pour Quirion maintenant. Quirion va perdre cette rondelle. No va la saisir. À la ligne bleue. L'arrivée, un lancer dévié. Dans le coin, c'est Guy qui s'amène rapidement. Et Guy, avec son bon gabarit, là, on la positionne devant le filet. Quirion vers Zabat, devant le filet. Quel arrêt! Ici de Néron qui étend la jambe à droite pour venir voler No. À la pointe gauche, l'arrivée maintenant. Anno à nouveau. No avec le disque. Il cherche une option. Prend bien son temps. Regarde pour tout ce qui se présente à elle et décide de rejoindre Quirion qui retourne pour No devant le filet. Le retour est raté par Zabat. Encore une fois, on l'isole, Zabat, tout près de l'embouchure du filet, que ce soit dans l'enclave. Ou comme je viens de le mentionner à l'embouchure, Zabat va reprendre. Et à la pointe, c'est pour Quirion. Avec Labad. Labad s'avance. Elle tire. Néron résiste. Quel arrêt de Néron avec le bout de la jambe à droite. Déplacement gauche-droite. Parfait. Du côté de la désavantage numérique du côté Rive-Sud, on a intérêt à placer beaucoup plus de pression à à l'attaquante qui est placée à peu près aux oreilles, sur le bord de la bande. Il faut vraiment qu'on ne laisse pas rentrer au filet. On lui laisse tout l'espace. On a eu deux beaux tirs en plus de la chance de marquer que tu soulignais. La balle, tir dévié, bloqué devant ici par Gauthier qui va compléter le dégagement ensuite. Il restera 33 secondes à cet avantage numérique pour la région de la Naudière. L'arrivée reprend. Passe rapide vers nous. C'est un peu trop vif cependant, donc nous repousse du patin jusqu'à... Un cadeau du revers par an! C'est l'arrêt de Gascon. Et est-ce qu'on va chasser? Oui, je pense que oui. On va chasser la joueuse de la Naudière. On dit qu'elle a fermé la main sur cette rondelle. Alors, l'arrivée s'en va au banc. L'avantage numérique est terminé pour la Naudière, qui est 0 à 3 cet après-midi. La Rive-Sud va profiter d'un jeu. Et cette région-là est 0 à 2 aujourd'hui.
suite à l'erreur. Je pense qu'on a pris panique inutilement. C'est un peu ça qui arrive. Donc, c'est en développement. Les joueurs sont en développement. Ça peut arriver, ce genre de choses-là. C'était bien clair à la reprise. Mais elle avait le temps. Elle avait le temps de simplement se relever ou l'autre aurait pu récupérer la rondelle. Mise en jeu remportée par Pelletier. La rondelle va rouler de long de la ronde jusqu'à Perron. Perron tente un dégagement. C'est annulé. Gaudreau tire. Arrêt de Gascon. Le retour est donné. Benoît a failli en profiter. Elle se retrouve derrière le filet. Benoît. Premier au cercle. Benoît tire du revers. C'est bloqué. Une deuxième chance. Autre tir. Gascon l'a suivi cette fois-ci gauche-droite. Résiste pas de retour. Beau jeu de Benoît en protection de rondelle. C'est amené au filet. On a beaucoup plus d'attaques de part et d'autre. C'est intéressant. Et on est en attaque à 5. Pour se souvenir, on est en attaque à 5 du côté de la Rive-Sud. Oui, pour encore 1 minute 34, Benoît la mise en jeu devant Pelletier. Et c'est remporté par Benoît. Un tir de la pointe. Ça a été bloqué devant le retour est libre. Et quel arrêt, le but! Finalement! Gascon avec le premier arrêt, mais la rondelle l'a traversé. Et la Rive-Sud qui marque un avantage numérique, c'est 1-0. Le jeu, on le verra probablement à la reprise. La rondelle est allée au défenseur qui a simplement pris un bon tir au but, mais ça a été bloqué par un tir au but et ça donne cette chance de marquer. Un beau travail ici. On sentait que du côté de Rive-Sud, on permettait de la pression sur l'équipe adverse. Alors, c'est pas Benoît qui complète, mais il était sur le jeu. Très près du jeu. Oui. Une fois. Et on voit la reprise à nouveau. C'est Gaudreau qui a complété. Oh, attention! Non! Rapidement! Elle lance! Et c'est l'arrêt de Néron. Alors, on a voulu donner l'arrêté très rapidement. Un bon point, Julien. Et puis, hockey, ce qu'on veut pas au niveau défensif, puis ce qu'on veut au niveau offensif, à la reprise du jeu, tu veux créer un impact. Très belle incursion de Néron sur ce jeu. Zabad devant Roy. Zabad tire, qui ne peut être dévié par Quirion. Quirion vers un eau. Et c'est pas la première fois que j'observe le procédé que fait Lanaudière, Yves, mais souvent, on va mettre Guy, la défenseur, en attaque pour isoler Labad, là, à la ligne 2. Un autre tir, arrêt de Gascon. On a tenté de surprendre ici du côté de Roland en faisant le tourniquet, c'est raté. Bon travail de Gué pour contrôler, neutraliser là, Roland le long de la rampe. Dans l'enclave, on perd cette rondelle. Un deuxième tir qui rate à la gauche. Cette fois-ci, ça provenait du bâton de Roy. Gué, un autre, dis-je. Saisi. Non. Du côté gauche, en direction de Quirion. Et possibilité de surnom. Quirion s'amène avec la balle. On dit qu'il y a hors-jeu. Un petit peu d'impatience ici du côté de Lanaudière. On voyait le 2 contre 1 qui s'en venait. On était prêt à aller dans l'attaque, à sauter dans l'attaque. Bon travail d'officiel qui était placé sur la ligne bleue. Il y avait hors-jeu, c'est clair. Bon travail aussi du caméraman. Les enjeux remportés par Pelletier. En direction de Perron. Perron vers Sylvestre maintenant. Sylvestre s'amène au cercle et gêné ici par Parent. Gao va reprendre derrière Néron. On va se méfier de l'arrivée rapide de Sylvestre. Parent. Devant, en direction de Caron. Bataille le long de la clôture. En zone neutre. Pelletier est là avec le patin à tenter de rejoindre Como. Ça avorte. Et on s'amène à nouveau. Un tir neutralisé devant la rondelle qui va apparaître sur Gascon. Encore une fois, belle présence de Caron et Parent en avantage numérique. Pardon. En échec avant. Beau travail d'équipe, belle passe ici de Benoît Marjakim qui donne la rondelle. Du côté de Rive-Sud, on circule la rondelle. Oui. On a une chance, la joueuse est mieux placée que nous, on la donne. Les enjeux remportés par Lanaudière. Cependant, la rondelle apparaît sur le bâton d'une joueuse de la Rive-Sud. C'était Labrec ici qui rate une belle chance. La deuxième du match. Perron, sa passe interceptée. Benoît. À la ligne bleue, un tir bloqué. Benoît va reprendre un tir qui provenait du bâton de Caron. Benoît est gêné ici par Pelletier.
Pelletier et Larrivée sont là. Benoît également du côté de la Rive-Sud. Parent du revers. C'est raté. Gaudreau aurait pu soutirer le disque à Pelletier. J'avais comme l'impression que personne ne voulait de cette rondelle en plein centre. Des changements demandés ici par l'entraîneur-chef de la région de la Naudière. Et contre-attaque de Caron, qui s'amène rapidement. Surveillé par Labade. Caron sur le flanc gauche, neutralisé par l'arrivée. Belle feinte cependant ici de Labrosse, qui complète le trio de Gaudreau et de Benoît. No, rapidement. No, va pousser en territoire de la Rive-Sud. Et c'est repris par la défense. On tente une contre-attaque avec Roy. Roy en chutant, mais Gaudreau intervient à la ligne bleue. Gaudreau rejette derrière Gascon. Et la première personne au disque est Perron. Perron à l'arrivée. L'arrivée, longue passe en direction de Couillon. Bataille, course rapide entre les deux. Couillon s'amène. Couillon n'a plus d'angle. Va contourner le filet. Tente de surprendre la gardienne Néron. Il plonge sur sa droite pour capter cette rondelle. Pas de retour. Bon travail ici, Julien Gauthier, qui a amené l'adversaire à devoir contourner le filet. Regardez ici avec son bâton, empêcher. Excellent jeu d'avoir placé la palette de son bâton vers la rondelle de Quirion. Roi devant No, c'est remporté par No. Labade, un tir bloqué, rondelle libre, No, lance Néron encore une fois, suit bien le jeu et résiste. Alors là, depuis que la Rive-Sud a marqué le premier but du match, la pression se fait constamment au territoire de la Rive-Sud. Néron aussi qui fait bien parce que je remarque à date, c'est qu'elle conserve, elle n'accorde pas de rebond. Alors, ça aide beaucoup sa défensive. Mise en jeu cette fois-ci remportée par Elodie Roy qui remet à Gao. Roy perd cette bataille contre nous. Labade en direction de Tétro. Tétro s'amène. Une fin. Tétro en ouverture. Son tir. Néron fait l'arrêt. Donne le retour. Capté par Gao. Labade s'amène rapidement. Labade avec nous. Labade au cercle. Perd cette rondelle. Et voici la contre-attaque de Roland. Juliette Roland. Petit gabarit mais très rapide. Roland. Fin. Tir. Arrêt. Rondelle libre. Là, Gascon a plus de bâton et il y a quelqu'un qui vient de prendre l'air, ses parents devant. On vient de rater toute une chance du côté de la Rive-Sud. Tétro du revers vers Labade. Labade, un cadeau pour Benoît. Elle feinte, elle tire, ça rate à la droite du bouclier là de Gascon. Et on va attendre le sifflet de l'arbitre. La rondelle était emprisonnée là derrière la cage de Gascon. Tout ça avec médiane, c'est 1-0 la Rive-Sud. Du côté Rive-Sud, on met de la pression. On vient de voir ici un travail exceptionnel de Roland qui, lorsqu'on dit coupeau au filet, là, c'est ce qu'on vient de voir. Meilleur exemple. Pourtant, son gabarit était pas mal plus petit que l'autre, mais elle voulait aller au filet. Parent remporte cette mise en jeu pour la Rive-Sud. Remise à Gao, tire du point d'appui qui va se retrouver derrière la cage. Benoît, devant le filet vers Parent. Encore une fois, Parent viendra une belle chance. Elle était seule dans l'enclave. Sylvestre tente de dégager. C'est annulé par Gao. Sylvestre avec Pelletier le long de la rampe. Bataille à 4 et même à 5 avec l'arrivée tardive de Gao. Mais c'est Lanaudière qui sort gagnante de cette bataille. Gué réussit le rejet jusqu'au centre. Là, la rondelle est venue jouer. Effectivement, toucher la gardienne de la Rive-Sud au banc. On va donc reprendre le tout en zone neutre dans quelques instants. Une chance qu'elle avait son masque. Oui. Et on va la féliciter ici du côté de Rive-Sud. On a apprécié son arrêt. Oui, effectivement, à défaut d'en faire un devant le filet, elle en a fait un au banc. C'est Monde Maillère qui a reçu cette rondelle en plein masque. Vachon tire, arrêt de Néron, ne prend aucun risque et avec raison. Encore une fois, permet à son équipe de se réinstaller. En arrêtant les rondelles, en l'immobilisant, ça permet aussi à stabiliser la défensive. Mise en jeu remportée par la Rive-Sud. Voici Caron. Passe qui manque un peu de mordant, Labade. Vers Couillon maintenant. Couillon s'amène, il y a de l'espace. Tire dévié devant le filet. Nous, on va prendre le retour à Labade maintenant. Labade tire du point d'appui qui rate à la gauche. Contre-attaque possible de Labrosse. Labrosse s'amène avec Benoît. Remise à Benoît. Elle lance. Ça rate la cible à la gauche de Gascon. 5-13 à faire en deuxième période. Dans le coin de la patinoire. On va tenter de dégager ici du côté de Perron.
Perron est gêné par Gaudreau et Benoît. À la pointe, un tir qui provenait du bâton de Gauthier. C'est bloqué par Gascon, même si le tir était hors cible. Il ne veut pas prendre de chance. Il mobilise le jeu et des changements sont apportés par Edo. Souvent, quand on a une attaque du côté de la Lanaudière, Rive-Sud revient avec une attaque. On a tout un major qui est présent. Ouais. Gauthier, après cette mise en jeu, il va d'une remise dans le coin jusqu'à Roland. Roland, devant le filet, un tir ensuite de Roy qui rate la cible de justesse. Roland, derrière le filet, elle est contrée par Renault. Labade s'amène en contre-attaque très rapide. Va tenter de déborder la défenseur. Ça avorte. Excellent travail ici de Caron. C'est repris par Gauthier. Gauthier qui rejette plus loin. L'arrivée intervient. Regarde ses options. Il va lober la rondelle jusqu'au centre. Il n'y en avait pas d'option ici pour l'arrivée. Sortie de Gascon qui va laisser finalement pour l'arrivée. Il y a hors-jeu à retardement qui sera annulé avec la sortie de toutes les joueuses de la région de la Rive-Sud. Couirion rapidement du côté droit. Labbé tire. C'est l'arrêt. Labade, pardon. Tire. Ça a été l'arrêt de Néron. Autre tir de l'arrivée. C'est bloqué devant le filet par Lemelin. Lemelin traverse la zone neutre. Ça mène en territoire adverse. Elle est gênée par Couture qui a commis de l'obstruction. Elle sera chassée Couture. Avantage numérique pour la Rive-Sud qui est 1-3 cet après-midi. Une belle incursion de Lemelin en zone offensive. Je remarque que du côté Rive-Sud, on a quelques défenseurs assez mobiles. Oui. On aime se porter à l'attaque. Oui, mais sans exagérer, mais j'apprécie. Ils ont beaucoup de vitesse, de mobilité. Je trouve que les deux équipes jouent de façon très intelligente aujourd'hui. Oui, bien surtout à ce match 1-0, là, on se porte bien, mais on se porte bien à l'attaque avec toujours une bonne position sur la glace. On va reprendre cette mise en jeu. Pelletier devant Benoît. Mise en jeu remportée par Pelletier. Bon travail. Guy va être rejoint aussitôt par Parent. Benoît est là, Parent également. Tétrault va tenter de saisir derrière le filet. Il y a eu contact avec Parent. Gaudreau pour Parent. Derrière la cage. Elle s'installe dans le bureau. Cherche une ouverture. Il n'y en avait pas. Pelletier brillamment complète le dégagement avec l'aide de la clôture. Et on devra réorganiser le tout avec 1 minute 35 à faire à jeu de puissance du côté de la Rive-Sud. Du côté droit, c'est Gaudreau. Gaudreau, longue remise au centre. Et attention à Parent, il y a de l'espace. Elle s'amène. Parent tire. C'est l'arrêt de Gascon. On va signaler une pénalité. Un coup de bâton, dit-on, du côté de l'arbitre. Il y aura 5 contre 3. Pelletier sera chassé. Une chance en or du côté de la Rive-Sud. En fait, avec la percée, la défenseur n'avait pas vraiment le choix. Ça avait une position méritée. On a pu voir son coup cingler sur la porteuse de la rondelle qui tirait à ce moment-là. Sur la reprise, le tout était très clair. Donc 5 contre 3 pour 1 minute 22 pour la Rive-Sud. C'est très long pour installer une attaque et tenter de doubler l'avance. Gaudreau. De l'autre côté, jusqu'à Benoît. Benoît à Caron. Et à Benoît. Benoît. Marie-Hakim Benoît. À Caron. Tir bloqué. Retour libre. Saisi par Couirion. Tente de dégager. Un excellent travail ici de Gauthier. Un autre dégagement tenté. La rondelle est bondissante le long de la clôture. Gaudreau annule ce dégagement. Elle s'avance. Un tir qui rate la cible. Marie-Hakim Benoît maintenant. Marie-Hakim en croisée avec Marie. Passe jusqu'à Gaudreau. Ça manque un peu de vigueur. Mais heureusement, on peut conserver l'attaque en territoire ennemi du côté de la Rive-Sud. Gaudreau, il va d'une frappe. Bloqué par Couirion. Gaudreau a une belle chance. Tenté de remettre du revers dans l'enclave. C'était bloqué par l'arrivée. Rondelle libre devant. Quel travail de Couirion pour empêcher Marie-Benoît de tirer. Marie-Hakim va reprendre et remet à Caron maintenant. 20 secondes encore à faire à jeu de puissance. Un plomb qui rate par-dessus le filet du côté de Gaudreau. Et à nouveau, on se réinstalle. Autre tir de la ligne bleue bloquée devant le filet. Et une autre chance ensuite. Ça promenait du bâton de Marie-Hakim Benoît. C'est raté. Derrière, on tente de surprendre tout le monde. Couirion est là. Gascon est étendu tout son long. Et à la ligne bleue, c'est Caron. De l'autre côté, à Marie-Hakim Benoît, tir bloqué par sa propre coéquipière. C'est repris par Caron à Gaudreau. Elle lance. Bel arrêt de Gascon. Sans bâton, avec l'épaule. Et on va jouer à 5 contre 4 maintenant. Ouf! Quel a été Gascon sans équipement. Manquait son bouclier ainsi que son bâton à un certain moment donné. Il y a au moins 3 chances de marquer qu'on a pu voir dans ce 5 contre 3-là.
je pense que l'entraîneur Jonathan Larrivée veut discuter. Ouais, parce que je pense qu'il veut faire avec l'arbitre. À 5 contre 4. Et il veut simplement. Il n'a pas le temps de parler c'est ça. À l'arbitre. Mais là, je pense que c'est ça que l'arbitre vient lui dire. On va discuter plus tard. Oui, exactement. C'est important quand même de communiquer finalement. Là. Les intentions de l'entraîneur, on veut avoir des explications. Et là, attention, un tir à relégation, pas de retour. On met de la pression, on travaille près du filet. Contourne le filet, vient au but, les petits jeux. Ça semble un peu mettre l'équipe canadienne un petit peu en difficulté. Voilà, il va y avoir discussion. Là. Ah, c'est certain qu'on a des explications aussi sur le jeu. 19 secondes à cette position, Julien. Oui, j'essaie de comprendre ce que l'arbitre disait. Je pense que les explications données par l'officiel étaient adéquates. On parlait là, d'un possible contact avec la gardienne Gascon. Et effectivement, 19 secondes à cet avantage numérique, comme tu viens si bien de le mentionner, Yves. Gao ne peut empêcher la sortie du disque. C'est repris par la Rive-Sud d'un tir. Gascon fait l'arrêt de la jambière. 8 secondes avant le retour de Pelletier. Et là, la balle s'amène sur le flanc droit. La fête, le tir, arrêt de Néron. Excellent travail de Néron. Elle a bien couvert l'angle. Le défenseur, la défenseur qui lui également compter dans un peu l'espace que la balle aurait pu avoir pour prendre un bon tir. Bel arrêt ici. Un arrêt important. Alors, si on considère qu'il reste 1 minute 22 à cette deuxième période-là et qu'on a simplement un but d'avance, elle prend beaucoup de place dans le filet au niveau de sa protection, au niveau des angles. Mia Néron qui fait un très bon travail cet après-midi, qui garde son équipe en avance 1-0. Vachon à la mise en jeu devant Maxime Roy. Élodie Roy, pardon. Je ne sais pas pourquoi je pensais à la crise. Enfin, la rondelle se retrouve tout près de la clôture avec Gao et Sylvestre. Sylvestre est gêné par Élodie Roy. Avec 1 minute 10 secondes à faire à la deuxième période. 1-0, la Rive-Sud. Vachon tente de revenir, c'est raté. Vachon maintenant devant, personne pour saisir. Mis à part Roy qui laisse pour Roland. Voilà, dernière minute à cette période médiane. Roland s'amène en contre-attaque sur l'aile droite. Roland est surveillé par l'arrivée. Passe tentée à la ligne bleue. Le tir bloqué. On dirait plutôt que personne ne veut cette rondelle. Un autre tir. Gascon était bien prête. Veillez au grain. Intervention de Parence pendant la ligne bleue. Remonte jusqu'au cercle. Tente une remise du revers devant le filet. Tout près des cercles, on a tenté de disputer cette rondelle. Dégagement malheureusement annulé ici. C'est un dégagement là, qui provenait du bâton d'Amélie Vachon. C'est repris par Tétrault. Tétrault vers l'arrivée. Malheureusement, elle n'était pas prête. Marie-Hakim Benoît va saisir. Et laisse derrière pour Parent. Avec 20 secondes à faire à la période. Bon travail de l'arrivée qui vient neutraliser son adversaire le long de la rampe. Sylvestre est là, tente de pousser plus loin. Malheureusement, on est... Là, on va pouvoir sortir de notre territoire parce que la rondelle a quitté. C'est Constantinou qui s'amène. Dégagement du revers de la balle jusqu'au centre. Aussitôt, relance tentée par Gauthier. Par Lemelin, pardon. Lemelin a été arrêté. Un dégagement ensuite de Tétrault. On entend la sirène. C'est ce qui complète les 30 premières minutes de jeu de ce match. La Rive-Sud 1, Lanaudière 0, rien n'est terminé. Yves, j'ai comme l'impression que même si Lanaudière tire l'arrière, on met de la pression. On met de la pression, on lâche pas. Puis Néron, pour l'instant, intraitable à garder le but du côté de la Rive-Sud. Tu parles de Néron, mais... Gascon également, c'est là que je parle de Gascon, oui. Parce que c'est vraiment un duel de gardien de but en cette deuxième période-là. Ça pourrait être 5-5, là. Oui, parce que c'est des bonnes chances de marquer. J'aime beaucoup le travail méthodique un peu plus de Rive-Sud qui met de la pression, travaille en échec avant. C'est, elle est plus souvent installée dans la zone offensive que peut le faire Lanaudière. Oui. Alors, on voit ici le but, le moment marquant de cette deuxième période, le but de Noémie Gaudreau qui fait en sorte que la marque se traduit pour le moment de 1-0 pour la Rive-Sud. Alors, nous, on s'arrête quelques instants. Le temps que la resurfaceuse fasse son travail. Et on sera de retour pour une troisième période, dis-je, qui promet. Si on est capable de créer des outils pour s'entraîner plus... Étape 3, sprint. Facile. On est capable de créer des outils pour épargner plus. Une stratégie d'épargne en trois étapes. Facile.
Rio Tinto est fier d'être le partenaire collaborateur et le fournisseur officiel des médailles de la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma, hiver 2017. Les espoirs sportifs du Québec, les partenaires et les employés de Rio Tinto partagent un seul et même objectif, l'excellence. C'est pourquoi les athlètes recevront une médaille entièrement fabriquée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mettant en valeur l'une de nos grandes richesses économiques, l'aluminium. Qui saura se démarquer? Thank you.
à l'aréna Samuel Gagnon pour le début de cette troisième période. Deuxième match de demi-finale du tournoi de hockey féminin et c'est 52e finale des Québec. Vous voyez présentement à l'écran la Rive-Sud contre la Naudière. La marque après 30 minutes de jeu. La Rive-Sud 1, la Naudière 0. On est en droit de regarder, de pouvoir profiter d'un excellent spectacle en troisième période. Parce que je pense que les 30 premières minutes ont été très excitantes. Excellent. Et elles font partie des 4 meilleures équipes du tournoi, donc des 18 équipes présentes ici. Donc, c'est des équipes qui sont presque au château, qui arrivent ici avec une belle cohésion, à 20 minutes de pouvoir participer au match ultime. Et oui, la gagnante de ces deux équipes affrontera le centre du Québec, qui a vaincu un peu plus tôt la région là, de Lac-Saint-Louis 4-0. Alors, le jeu a repris en territoire de la Naudière. C'est Gaudreau qui tente une percée et les buts! Magnifique travail, c'est 2-0. Magali Labrosse qui complète. Sur une passe de Gaudreau. Et oui! Très bonne en contrôle de rondelle. C'est une attaquante qui va droit au but. Vraiment, ça a provoqué cette chance-là. Le drapeau des Jeux se fait aller ici. Oui. Regardez ici le jeu. Elle a gardé la rondelle et a effectué une magnifique passe. Vraiment bien joué de Gaudreau ici. Gascon n'y pouvait rien. 2-0 maintenant pour la Rive-Sud. 12 secondes plus tard. 12 secondes suivant le début de la troisième. On double l'avance du côté de la Rive-Sud. Sylvestre complète ce dégagement après la mise en jeu derrière le gardien de Néron. Gaudreau du revers, c'est raté. Tire de Perron qui est neutralisé devant et Gaudreau va saisir dans le coin. Gaudreau à contre-courant vers Magali Labrosse. Sylvestre était là pour la gêner et voici Caron en relance. Caron perd cette rondelle au centre. Pelletier la reprend. Pelletier, elle est également neutralisée au centre. On tente une relance rapide. Sylvestre tente de s'amener. La rondelle apparaît tranquillement à la gauche de Néron. Met le gant sur celle-ci et donne une mise en jeu sur sa gauche. Alors, je suis certain que ce n'était pas dans le plan de match du côté de Naudière de se faire marquer si rapidement. Par contre, un excellent jeu de Gaudreau qui est bonne avec la rondelle en protection de rondelle puis qui a repéré du coin de l'œil la brosse qui s'était démarquée. Tire de la balle bloquée par Labrec. C'est un plomb, ça. Un dégagement refusé. Et vous voyez, hein, Labrec, ça lui a fait mal. Et avec raison, elle s'est sacrifiée pour l'équipe. Une chance qu'elle n'avait pas des catalogues comme Jean-Pierre. Non. Mise en jeu à la gauche de Néron. Labad devant Parent. C'était pas dans ton temps, ça, Julien. Hein? Non, non. Alors, le long de la rampe, le disque est repris par Guy. Vers Labad. Labad pour No. No s'amène. Il va d'un tir. Courillon était pourtant seul du côté gauche. C'est celle-ci qui va saisir d'ailleurs. Le long de la clôture. Courillon s'en va derrière le filet. Courillon toujours avec cette rondelle pour No. No est rejoint rapidement par Lemelin. No. C'est plutôt Labad, pardon. Vers No. Vacherillon. Perron. Excusez-moi. Voilà. Perron. Remise du côté droit vers Marie-Hakim Benoît. Et le dégagement est complet à l'autre bout. Course pour ce disque. Guy fait le travail, remet à No. No vers Labad. Réception de passe un peu difficile. On voyait la rondelle était bondissante. Gao tente de pénétrer le territoire de la Naudière. Ça avorte, mais relance aussitôt de Parent. Parent sur le flanc droit s'amène avec Gaudreau et Labrosse, les deux marqueurs de ce match jusqu'à présent. Gaudreau derrière le filet, revient devant. Une chance, tire, on entend le poteau. La rondelle est toujours libre. La mêlée qui est là. Gascon qui résiste, on l'a bien vu saisir avec son bouclier. Il n'y avait pas beaucoup d'angle pour Gaudreau qui a touché l'extérieur du poteau. Quel travail de Gaudreau qui s'est a réussi à revenir au filet. Et malgré le fait qu'on poussait tout ça, elle est restée debout. Vraiment une joueuse très, très solide. Oui. Et c'est un jeu que j'ai l'impression qui s'est fait au ralenti. C'est comme si tout le monde avait laissé Gaudreau manœuvrer. Oui. On va attendre avant de reprendre parce que Gaston a un problème avec son masque protecteur. On voit l'ambiance dans les estrades ici. C'est rempli à craquer à l'aréna Samuel Gagnon.
mise en jeu remportée par Pelletier. L'arrivée jusqu'à Vachon. Et contre-attaque de Pelletier. Pelletier pousse du revers plus loin. Elle sera la première au disque et contre Gao. Là, c'était une course. Sylvestre devant la rondelle qui apparaît dangereusement devant Néron, qui va l'immobiliser. Un peu de bousculade devant le filet. Là, on sent un peu de frustration du côté de la Naudière. Les deux joueurs seront chassés. Non, c'est un bon appel et Pelletier ici là, qui a trop incité. Du côté de Rive-Sud. C'est Gao, je crois, qui sera chassé. Gao aussi, qui a voulu s'interposer. C'est confirmé. Et protéger le gardien. Voilà, confirmé par l'arbitre. Rulès de part et d'autre. Donc, 2 minutes en double, on va jouer à 5 contre 5. No à la mise en roi. Remporté par No. À Labad, tire des poignets. Il y avait une ouverture à la droite de Néron, ça a été bloqué. Quirion, rapidement, est venu soutirer la rondelle à Roland, qui va la reprendre. Pousse plus loin, l'arrivée intercepte et passe pour Quirion. On se réorganise du côté de la Naudière. Mauvais espace, il y a Orge qui sera annulé avec la sortie de Roland. On a tenté de remettre vers Quirion le long de la clôture. C'est raté et l'arrivée, elle va tenter de réorganiser à partir de la gauche de son gardien. L'arrivée. Et à nouveau vers Quirion, c'est un peu trop long. Un tir de la pointe, dévié à la droite de Gascon. Roy vers Roland. Rondelle sautillon, donc ne peut faire la passe, mais la conserve derrière le filet. Roland toujours, surveillé par Labad. Il va d'un tir, ça a été bloqué. Et voici la contre-attaque de No. Vers Labad, malheureusement, la rondelle passe par-dessus son bâton, mais Labad va l'accueillir dans le coin. Laisse vers No, arrive trop tard. Et intervention maintenant de la Rive-Sud. Longue remise vers Maria Kim-Benoît. Elle décampe, elle tire. Gascon fait l'arrêt, donne le retour. Et là, c'est de tout son long. Gué étendu est venu contrer partiellement cette chance de marquer. Et ensuite, en paniquant, on va dégager du côté de Gué. On est passé à quoi? Deux poils de tripler son avance du côté de la Rive-Sud. C'était Maxime Côté qui était là, la numéro 16. On l'a échappé belle ici. Une belle contre-attaque, encore une fois. Du côté de Rive-Sud, on repart bien du côté des défenseurs, des attaquants qui sont vraiment dégagés. Constantino va repousser du revers ce disque qui va être saisi par Parent derrière la cage. On a tenté de remettre devant vers Benoît. Lemelin repousse plus loin. Roy maintenant. Roy passe sous le Parent. Ça a été bloqué par Gascon. Et c'est finalement là, un dégagement tenté par Como, ça a été annulé. Benoît s'amène contre Tétro. Gué est là également contre Roy. Bon travail de Gué. Malheureusement, la rondelle refuse de suivre. Elle devra revenir sur ses pas devant sa gardienne, c'est dangereux. Mais réussit à Sylvestre qui s'amène en contre-attaque. Sylvestre du côté droit. Elle est gênée par Constantino. Le disque se retrouve derrière Néron. Et c'est finalement repris par Lemelin. Interception. Un tir de Gué. Belle chance de marquer pour la Naudière en troisième. Mais encore une fois, le Mian Néron est intraitable et ferme la porte. Le seul récupéré, le revirement créé par son défenseur. Très facilement. Et une fois de plus, pas de rebond. Alors, No devant Benoît, la mise en jeu. 15-23 à faire à la troisième. Labad passe à Quirion. Du revers, elle tente de tirer. La rondelle se retrouve sur le bâton de Perron. Perron pour Quirion. Quirion cherche une ouverture. Mouvement circulaire. Quirion toujours tente de se créer de l'espace. Gaudreau la couvre bien. Ça touche la clôture. Un drôle de rebond qui favorise là, la Rive-Sud en récupération de rondelle. Cependant, Quirion ne lâche pas. Et reprend. Et à la pointe, à la balle. Tire des poignets bloqués devant par Benoît. La première au disque sera justement la capitaine de la région de la Rive-Sud. Benoît qui avait marqué les quatre derniers buts des siennes avant le match de cet après-midi. Oui, on va reprendre. Passe vers Labad. Labad s'amène sur l'aile droite. Elle tire, c'est neutralisé. Labad va prendre son retour derrière le filet. Cherche une ouverture. Labad à la pointe. C'est Perron. Perron remise vers Quirion maintenant. Quirion en direction de No. No est gêné par l'arbitre. Il va tenter de se tasser et ça va favoriser là, la rive sud ici. No. Et c'est plutôt Gaudreau. Passe à la brosse. Un contre un. Elle tire. Gascon a tiré la mitaine et fait l'arrêt. Pas de retour.
Alors, comme elles nous ont habitués cet après-midi, il y a une chance de marquer, mettons, du côté Rive-Sud. Oups, on vient à contre-attaque. Oui. Ce qui fait qu'il n'y a pas de momentum. Il ne donne pas la chance à Lanaudière d'avoir des momentum. Et on en aurait grand besoin avec 14-15 à faire en troisième. 2-0 la Rive-Sud. C'est repris par Vachon. Vachon vers Guy, c'est raté, mais là, Pelletier s'amène rapidement. Pelletier et Gao sont de retour après que les mineurs doubles eût été terminés. Vachon rentre en contact ici avec Lemelin. Roy s'amène. Elodie Roy ralentit, tente de remettre plus loin. La rondelle a touché les patins du juge de ligne. Et Tétro derrière sa gardienne va tenter de réorganiser une attaque en remettant pour Sylvestre. Sylvestre passe vers Pelletier. Pelletier tente de pousser pour Vachon, ça avorte. Et tout est à refaire à nouveau pour Lanaudière. Contre-attaque de Labrec, Annabelle Labrec, représentante de la région de la Rive-Sud. Guy maintenant avec ce disque. Guy s'amène du revers vers Pelletier. Pelletier va pousser le long de la ronde pour elle-même. Qui sera la première au disque? C'est Lemelin. Lemelin va tenter de remettre en direction de côté. Et cependant, arrêté par Guy qui tente une feinte. À nouveau, on a neutralisé là, la région de Lanaudière. Un tir de couture bloqué facilement par Lemelin qui remet ensuite à Benoît qui est gêné par l'arrivée en sortie de zone. Après un deuxième effort, réussit à pousser un peu plus loin. Il tente un dégagement et la contre-attaque de Nau. Nau s'amène rapidement. Elle est dangereuse depuis le début de ce match. Nau, belle feinte! Elle s'amène son tir! Arrêt de Néron. Quelle feinte de Nau. Elle n'a pas su compléter cependant. C'était une véritable chance de réduire l'écart à un seul but. Nau toujours a tenté de remettre vers Couture. À ce moment-là, a été neutralisé. Quirion vers Nau. Elle lance sa touche l'extérieur du filet. La balle devant le filet vers Nau. La passe manquait de précision. L'arrivée. Un tir. Bloqué. Rondelle toujours libre. Gao, allongé de tout son long, réussit à remettre à Benoît. Et le dégagement est complet jusqu'au centre. Aussitôt, on relance du côté de Lanaudière. On met un peu plus de pression. En troisième, c'est 2-0 pour la Rive-Sud. Remise du revers, saisie par Gaudreau. Gaudreau passe vers la brosse, ça manquait un peu de précision. Derrière le filet, ses parents. Excellente intervention de Perron qui remet à Quirion. Quirion à Labad. Labad peut sortir des blocs. Elle s'amène rapidement, ce qui est devant le filet. Malheureusement, Nau arrive trop tard. C'est un jeu préparé qu'on a vu à maintes et maintes reprises cet après-midi. La remise à la balle sur la droite. Como. Retour maintenant pour Perron. Perron est gêné par Gaudreau. Le long de la ronde, c'est l'intervention de Lemay. Gaudreau. Feinte et freine. Il retourne du revers pour Benoît. Marie-Benoît. Derrière Gascon. Remise au point d'appui à Constantino. Qui va rejeter derrière le filet de Gascon. Perron prend bien son temps et analyse la situation. C'est cependant intercepté par Parent vers Benoît. Bataille avec Tétro dans le coin. Pelletier avec le disque. Retourne derrière Gascon. Pelletier, feinte. Remise pour Guy. Guy s'amène rapidement. 2 contre 2. Guy, il va un tir. Ça a été bloqué par... Vous voyez sa réaction. Ça fait mal. On y va d'un dégagement à l'autre bout qui sera refusé. Et vous voyez un Constantino peine à se relever et peine à se rendre à son banc. On sacrifie du côté de la Rive-Sud, un travail collectif. Et c'était une bonne idée de faire un dégagement refusé, justement. Empêcher là qu'on soit pris en sous-effectif puisque Constantino était blessé. Et quelle feinte! Quelle feinte! Oui, excellente. Et comme on l'a dit en début de match, elle, à tout moment, peut changer l'allure du match. Mise en jeu remporté par Lanaudière. On a tenté de remettre à Labad à la ligne bleue. Contre-attaque de Roy. Roy s'amène sur le flanc droit. Rejoint par Nau. Roy. À contre-courant. C'est pas Constantino, pardonnez-moi, c'est Labrec. Sylvestre. Gêné par Roland, mais on peut effectuer une sortie de zone. Nau vers Quirion. Avec de la vitesse. Quirion. Freine, cherche une ouverture, remise pour Nau. On tente de faire dévier du côté de Labad. La mêlée qui éclate à la droite du gardien. On tente un dégagement, c'est fait. Sylvestre n'a pu empêcher la sortie du disque. Sylvestre, et remise pour Labad maintenant. Labad
La balle, une frappe qui rate la cible. Un bon tir encore une fois qui aurait pu surprendre la gardienne Morin. On vient de passer la mi-période. 9,55 à faire à celle-ci. 2-0 Rive-Sud. La balle, malheureusement, perd cette rondelle. A décidé de l'abandonner dans le coin et reprise. Et celle-ci est reprise par la Rive-Sud. Dégagement de Juliette Roland. L'autre. Et à nouveau, on doit tout réorganiser du côté de la région de la Nausière. Avec l'arrivée en défense. Interception de Benoît. Benoît du côté droit à Roland. Vers Benoît. Interception de Pelletier qui peut s'amener en relance. Avec l'arrivée qui va l'appuyer derrière. Un tir de loin de Pelletier. Drôle de nom qui apparaît devant Morin. Néron, pardon, ne prend pas de chance. Et il y aura une mise en jeu sur sa gauche. Alors, Mia Néron n'a toujours pas cédé. Avec 9-22 à faire au match. On peut apprécier la qualité des tirs au niveau du hockey féminin maintenant avec le tir qu'on vient de voir de la balle. C'était tout un boulet de canon. Autre tir bloqué. Cette fois-ci, ça provenait du bâton de Tétro. Gay cherche une option. Gay chute. Rondelle qui est bataillée dans le territoire de la Rive-Sud. Pelletier était là, mais se fait battre de vitesse par Parent. Et on s'amène à 3 contre 2. Parent avec Perron. Parent protège avec Perron sur le dos. Marie-Hakim Benoît, remise à Caron. Et là, une chance, le tir, c'est bloqué devant. C'était Maxime Côté qui a fait ce tir. Et un dégagement à l'autre bout qui sera refusé à la Nausière. Et aussitôt, hein, on revient avec le trio de Labade, Nau et Quirion. L'arrivée également, qui est un atout très important en défense, va être là. On devra commencer à ouvrir le jeu du côté de la Nausière et ils vont avoir des chances de revenir dans ce match. L'attaque repose sur l'unité de Nau et ça devient peut-être difficile à ce moment-ci avec l'énergie. Oui, on hypothèque également. Oui, voilà. C'est ça. La Bade. Bon travail de Labrosse qui a marqué le deuxième but qui a fait très mal à la région de la Nausière. Mais là, vous voyez Nau. Elle sort des blocs. La Bade va la chercher cette rondelle. Nau. Tir a pris beaucoup de temps pour effectuer un tir. On a le temps de se replier. Nau à nouveau va tenter de travailler là, derrière la cage de Néron. L'arrivée, une frappe, déviée tout juste à la gauche de la gardienne. Au retour, c'est Nau toujours. Nau vers la balle. Il y a eu confusion entre les deux, mais au moins on conserve le disque. Quirion, possession de rondelle importante dans le coin. On doit gagner cette bataille du côté de la région de la Nausière. Encore une fois, Benoît est là, réussit à remettre de l'autre côté, mais c'est l'intervention là de Nau à nouveau. Le filet. C'est repris par Quirion. Sylvestre intervient bien également. Encore une fois, on se dispute cette rondelle le long de la clôture, des batailles assez solides. Nau, Quirion, et finalement cette rondelle va quitter le territoire. Attaque de Gaudreau. Gaudreau s'amène. Malheureusement, elle est arrêtée. Gaudreau fait une chute. Intervention de Labrosse. Un tir. Arrêt de Gascon. Va immobiliser cette rondelle parce que l'arrivée a perdu son bâton. Alors, on va reprendre avec 7 minutes 16 à faire à la droite de la gardienne Eve Gascon, qui, même s'il a accordé 2 buts, a été extraordinaire cet après-midi. Tout à fait. Et à 7 minutes, ça commence à se faire tard un peu. Du côté de Rive-Sud, en ce moment, on est en train de changer, de sortir une des joueuses qui avait reçu le tir sur la jambe. C'est Laurie Constantino qui va quitter pour le vestiaire. Donc, ce sera intéressant de voir si elle sera de retour demain à son poste. Je vous rappelle qu'on vous présente les 2 finales de médailles. Un tir bloqué par Guy. Bon travail de Guy. À Pelletier. Pelletier qui complète le rejet à l'autre bout. Gay met un peu de pression à nouveau avec la numéro 27 qui est Vachon. Encore une fois, Yves, beaucoup de batailles remportées en 1 contre 1 dans des clôtures par la Rive-Sud. Et à toutes les fois, ça favorise une possession de rondelles. Bonne qualité des défenseurs du côté de Rive-Sud. Bon travail ici de Pelletier, qui a une chance d'installer une attaque. Pelletier cherche une ouverture. Pelletier à Tétro. Tétro lance et le poteau.
maintenant. Est-ce qu'on pourra profiter? La mêlée qui éclate. Quelle chance ratée. On a touché le poteau. J'étais convaincu qu'on venait de réduire le corps à un seul but. Et le dégagement ensuite est complet. Allons-vous et vous entendez la réaction de la foule. On avait un arbitre très bien positionné pour voir la séquence. Il y a de la frustration du côté de Pelletier. Il rentre au banc avec un bâton. Labad en contre-attaque. Avec exactement 6 minutes à faire au match. Labad à No. No vers Labad. Devant vers No. C'est raté. Mais No va conserver derrière le filet. No à Sylvestre. Sylvestre retourne dans le coin pour Couirion. Couirion cherche une ouverture dans l'enclave. Sylvestre a une chance. Il va dans un tir. Ça a été dévié. Au retour, Labad ne peut saisir. Sylvestre annule la sortie du disque, mais la deuxième tentative de la réussite pour pouvoir sortir. On tente rapidement de pénétrer le territoire adverse du côté de la Naudière. Avec No. No. À Couirion. Son tir. Retour libre. Un autre arrêt de Néron. Derrière, on tente de surprendre du côté de Couirion. Néron est en la mitaine. Intraitable, comme un mur, comme la porte. Un peu de frustration encore une fois dans le camp de la Naudière. 5-19 à faire au match. Très solide. Regardez ici. Un magnifique tir. Touche le poteau. On était très précis de compléter, mais beau jeu de la défenseur ici qui a réussi à empêcher que la fille de la Naudière puisse compter. Oui, c'était Béatrice Caron après la mise en jeu. Le disque est perdu dans le coin par Guy qui chute sur la patinoire derrière le filet avec également le Vachon qui est présent. Couture par cette rondelle et une possibilité de 2 contre 1 avec Benoît Labrosse. Benoît un tir. Bon travail de Tétrault qui vient bloquer. Gaudreau saisit le retour. Gaudreau travaille derrière le filet. Tétrault est là également. Une remise en direction de la numéro 29 qui est Como. Et la réussite s'installe à la pointe. Et on remet maintenant à Gaudreau. Moins de 5 minutes à faire en troisième. On y va d'un tir. C'est bloqué par Pelletier. Bien sur ses pas. Pelletier. Chanceuse que Tétrault soit là pour crier ce disque. Tente un dégagement qui est annulé par Lemay. Devant un tir. On délivre à nouveau. Et là, c'est une chance qui est ratée par Labrosse. Contre-attaque. Como s'amène avec Pelletier. Un tir. Retour donné par Néron. Saisi par Pelletier. Avec ce disque. Pelletier laisse vers l'arrivée en plongeant. Quel beau travail ici de Gaudreau. Elle connaît un match complet celle-ci. Un but et un excellent travail en défensive cette fois-ci. Il y a eu confusion entre Pelletier et Labad, ce qui fait en sorte que la passe tentée devient un dégagement refusé. Avec exactement 3 minutes 58 à faire en troisième dans le territoire de la Naudière. Néron ici, c'est la joueuse de la troisième période du côté. La rive sud des arrêts clés. Très solide, dans un beau papillon et est capable de se déplacer d'un poteau à l'autre. L'arrivée, une remise en direction de Couirion. Raté, mais Couirion intervient bien. Il y aura pénalité. On a accroché Couirion. Alors, on avait peut-être besoin d'une étincelle, d'un moment qui allait catalyser l'équipe de la Naudière. On doit profiter de la chance et on a installé une stratégie adéquate tantôt, Yves, lorsqu'on avait placé justement en retrait la balle. Est-ce qu'on doit refaire la même stratégie? Bien, c'est certain que là. Le duo Labad-No va être à surveiller. Alors 0 en 3 cet après-midi. Mise en jeu remportée par la région de la Rive-Sud. Roland s'amène. Complète ce dégagement jusqu'à l'autre bout. L'arrivée doit relancer l'attaque à partir de son territoire. Quel travail de Roland en désavantage numérique pour appliquer de la pression et gagner des secondes précieuses. 3:30 à la période. 1:40 à faire à l'avantage numérique de la région de la Naudière. On retire le gardien. La gardienne devrait agir. On va jouer à 6 patineurs. No s'amène rapidement. No avec le... Et on s'installe. No. Remise vers la balle. Une frappe. C'est dévié à la gauche. Le retour est donné. C'est raté de justesse du côté de Guy. Il n'y avait pas beaucoup d'angle cependant. No avec cette rondelle. Remise à la balle à nouveau. En direction de No. No pour Couirion qui va se déplacer derrière le filet. Devant! C'était bloqué. Bien intelligemment, No a prendre la gardienne en tirant directement sur celle-ci. Elle était prête à veiller au grain. Oh, quel arrêt! Puis il faut souligner ici que la Naudière a retiré sa gardienne de but à plus de 3 minutes. C'est vraiment vouloir provoquer des choses. Oui, surtout qu'on va profiter d'un double avantage numérique, si je peux m'exprimer ici. En retirant le gardien, on profite
d'un surnombre de deux joueuses. Tout à fait. Tout à fait. C'est bien pensé du côté de la Naudière pour créer de l'offensive. Et la temps d'arrêt demandé par la région de la Naudière et Yves, si tu me le permets, je pense qu'on va rester silencieux. On va peut-être tenter d'écouter là, l'entraîneur-chef. De ce que je peux voir, Julien, au niveau du tableau, on va tenter de placer deux ou trois joueuses devant les buts et tirer de la pointe. Et si on n'isole pas, finalement, deux joueurs devant la filet, je pense qu'on en veut deux gauche. Puis du côté de Rive-Sud, ce qu'on va tenter de faire, évidemment, c'est de se placer dans les lignes de tir, d'assurer le dégagement à chacune des occasions. No à la mise en jeu pour la région de la Naudière. Contre Parent. Encore une fois, on est en train de donner des explications. On a remis partiellement Gascon. On attend de voir si on va remporter la mise en jeu. Dès qu'on remporte la mise en jeu, si c'est fait du côté de la Naudière, Gascon va s'amener au vent. Et c'est Pelletier, je crois, qui va s'amener là en renfort comme sixième patineuse. Là, c'est toujours l'entraîneur de la région de la Rive-Sud, Sinan Boudreau. Bourbeau, dis-je, qui a besoin d'explications. 2,58 à faire. Je vous rappelle que l'équipe gagnante affrontera le Centre du Québec demain. Un match qui sera présenté vers les alentours de 10 heures sur cette chaîne numéro 1. Mise en jeu remportée par la Naudière. Et on s'installe. No, avec le disque. No, remise à Quirion. Quirion cherche une option et surveillé par Parent. Quirion à No. Oui, No avec de la vitesse. Réussit à remettre à Labade, tire qui voulait être dévié par Pelletier, c'est raté de justesse. Il va saisir. Exactement 2,35 à faire à la période. 45 secondes à l'avantage numérique. Quirion vers Labade qui va saisir. Labade, une frappe, c'est raté de justesse à la gauche de Néron. Encore une fois, un bon tir. Hein? C'est ce qu'on voulait faire. Et isoler Labade pour qu'elle puisse effectuer des tirs. Et la Pelletier du revers, Néron était prêt. On a bien géré l'en défense du côté de la Rive-Sud. L'arrivée repousse plus loin. No rapidement va saisir dans le coin. No, avec 2 minutes 10 à faire. On doit faire vite. Quirion dans le coin. Quirion remise à No. No, remise à l'arrivée. Sur réception, ça a été bloqué. Excellent travail. On doit tous sortir du territoire du côté de la Naudière. Un dégagement loin, c'est bloqué par l'arrivée. Il reste maintenant 107 secondes. Et la Parent a une chance de mettre fin au débat, mais malheureusement ne peut en profiter. On joue maintenant à 6 contre 5, donc à égalité numérique. Dans le coin, Pelletier, Anneau, non, devant, un tir. Landelle qui apparaît devant Néron, à nouveau ferme la porte. On entend le sifflet de l'arbitre, 89 secondes à faire au match. Néron est très solide dans le bas du filet. Est placé en papillon avec ses grandes jambières. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Pour compter un but cet après-midi, il faut vraiment travailler très fort du côté de la Naudière. Oh oui, elle était bien préparée, Néron. Elle est clairement dans sa bulle, dans son match. A défié tous les tirs qui sont présentés devant elle. Quirion, rondelle sautillante. Caron va tenter de dégager en plongeant Quirion, empêcher la sortie du disque. Et est-ce que Benoît peut marquer un autre but? Non, on a neutralisé son tir. Labade s'amène. 3 contre 2. Rio Tinto est fier d'être le partenaire collaborateur et le fournisseur officiel des médailles de la 52e finale des Jeux du Québec. Labade réduit l'écart à un seul but. Yves, comme dirait notre ami Yugi Berra, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Écoutez, on était bien placés, nous, pour le voir, Julien. Un tir parfait. Toucher l'intérieur du poteau, c'est la seule façon qu'on pouvait battre Néron, en tout cas jusqu'à présent dans le match. Un nouveau match, 2-1, et je pense qu'on va aussi enlever la gardienne de but dès qu'on le pourra, oui, du côté de la Naudière.
Et là, est-ce qu'on conserve les mêmes éléments? Ben oui, hein, la balle est là. Noé est là. Sylvestre Couirion. Et là, il manque une joueuse. C'était trop. On voit la reprise du but. Quelle pénétration au territoire adverse de la bâton. Mise en jeu remportée par Lanaudière. Est-ce que Gaspard... Non, parce qu'on a été neutralisé à la ligne centrale. 50 secondes à faire au match. 2-1 maintenant pour la région de la Rive-Sud. Tétrault du côté gauche. C'est repris par Couirion. Gascon va suivre. Et voici la contre-attaque de Couirion qui s'amène. Couirion tire, ça rate la cible. No s'amène rapidement. Il y a une chute derrière le filet. On tente un dégagement. La balle est là. 35 secondes à faire à la période. Alors, on demande une présence devant le but du côté de l'entraîneur-chef. C'est Pelletier qui s'y retrouve. 28 secondes à faire. Tétrault maintenant. Tétrault jongle avec le disque. Et le dégagement ensuite à l'autre bout qui sera refusé. On aura une autre chance pour Lanaudière avec 21 points. 21, dis-je. Et... C'est peut-être un peu trop énervé. 21,1 seconde à faire à la troisième période. Ce qui est un peu embêtant du côté défensif, c'est quand on récupère la rondelle, il faut traverser la ligne rouge pour éviter justement ce genre de mise au jeu-là. 21 secondes. La mise en jeu est remportée par la région de la Rive-Sud. La balle doit empêcher ce dégagement. Malheureusement, c'est raté. Autre dégagement refusé. 14 secondes pile poil à faire en troisième. Et c'est ce que je parlais. À ce moment-ci, on aurait pu juste placer la rondelle, un petit dégagement, s'assurer doucement pour pas que ce soit, encore une fois, créer un jeu, une mise en jeu dans sa zone. Mais on sent que les filles sont stressées, hein? Tout à fait. Seconde encore. Mise en jeu remportée par la Rive-Sud. Dégagement annulé par No. No tente de remettre de l'autre côté. Ça joue encore. Le dégagement est complet à l'autre bout. Il va rester 3,3 secondes à faire. Et encore une fois, on aurait pu faire un petit lob qui aurait glissé tout doucement en territoire. C'est joué avec le feu parce que trois fois de suite. Là. Oui. Et là, alors, si on 3 isole, secondes. Ben oui, et si on isole la balle et elle décoche un plomb, j'ai comme l'impression qu'on va s'en vouloir. On va mettre le plus de circulation devant le filet de part et d'autre. 3,3 secondes à cette deuxième demi-finale. Mise en jeu remportée. Oh, il va dans un tir de justesse à la droite. On entend la sirène. Et la région de la Rive-Sud va se retrouver demain en grande finale. De Mia Néron, qui est selon moi la joueuse du match, ça aurait pu être 2-2 et même 3-2 pour Lanaudière. On peut dire la même de Gascon. Cependant, moi, je pense que le Lac Saint-Louis doit se méfier demain de Lanaudière. Il a démontré de belles choses. Puis, comme on le mentionnait, l'UTT de Mia. L'UTT de Lanaudière, et ça va être un beau spectacle aussi pour le match de Médard. Alors nous, on s'arrête quelques instants en vous rappelant la marque finale. La région de la Rive-Sud, 2, Lanaudière, 1. Et au retour, le mot de la fin. Dalma, hiver 2017. Les espoirs sportifs du Québec, les partenaires et les employés de Rio Tinto partagent un seul et même objectif, l'excellence. C'est pourquoi les athlètes recevront une médaille entièrement fabriquée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mettant en valeur l'une de nos grandes richesses économiques, l'aluminium. Qui saura se démarquer? Si on est capable de visiter les fonds marins sans quitter son salon, on est capable d'épargner sans quitter son salon. Clic là. C'est fait! Wow!
De retour là à l'Arena Samuel Gagnon pour vous rappeler nos prochains reportages, les reportages de demain sur nos trois chaînes. Alors, comme je vous le mentionnais précédemment, les deux finales de médailles seront disputées sur la chaîne numéro 1 dès les alentours de 8h. La rive sud pour la médaille d'or, la région de la Naudière contre celle de Lac-Saint-Louis pour la médaille de bronze. Sur la chaîne numéro 2 avec Michael Saint-Pierre, vous aurez droit aux compétitions de plongeon. Et sur la chaîne numéro 3 avec ma collègue Audrey Lemieux, ce sera également des compétitions d'escrime dès 8h20. Je vous rappelle également que vous pouvez partager tous vos membres sur n'importe Snapchat ou Instagram en utilisant le mot clic JDQ 2017. Vous allez voir, il va apparaître au bas de l'écran. Alors, au nom de toute l'équipe technique et Eddie Archambault, c'est Julien Monlassalle qui vous dit d'ici les finales de demain, reposez-vous bien. Rio Tinto est fier d'être le partenaire collaborateur et le fournisseur officiel des médailles de la 52e finale des Jeux du Québec d'Alma hiver 2017. Les espoirs sportifs du Québec, les partenaires et les employés de Rio Tinto partagent un seul et même objectif, l'excellence. Les athlètes recevront une médaille entièrement fabriquée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mettant en valeur l'une de nos grandes richesses économiques, l'aluminium. Qui saura se démarquer? Si on est capable de visiter les fonds marins sans quitter son salon... Wow! On est capable d'épargner sans quitter son salon. Clic là. C'est fait! Wow!